Vous priez encore, vous nous parler de la foi. Amen. Notre côté, le monde là en bouleverse, nous trouvons que c'est nécessaire pour nous parler de la foi, pour renforcer la vie chrétienne, pour renforcer les chrétiens, pour nous montrer ce qui a passé là, parole que Dieu t'a gâté. Averti. Amen. Seigneur, nous reconnaissons nos faits, nous reconnaissons nos bâconnages, même ou même contre toute bagaille. La Bible a dit, le Saint-Esprit a venu, la conduire dans toute vérité. Il dit, la prendre de ce qui est à toi pour nous enseigner. Apôtre Paul dit, Saint-Esprit a aidé nous dans le moment de prière, nous, mais dans le moment de faiblesse. Il dit, Saint-Esprit a, il est là pour le prendre sacré dans mon Dieu pour le faire nous connaître. Jésus dit, il n'a pas parlé de lui-même, mais il a parlé de Jésus-Christ. Il est venu pour le conduire, c'est ça fait où il est le paraclet, où il est le support, où il est le consolateur, où il est le conseiller, où il est l'aide. Ça veut dire qu'il est là pour le conduire nous à la vie éternelle. Seigneur, nous nous faisons grâce ce matin, que tout le monde qui attend de l'évangile, quel que soit côté lié, quel que soit zone lié, quel que soit Seigneur Dieu, il est la caille, il est notre travail. Seigneur, nous demandons tant pour que parole qui a parlé, on va convaincre, on va traverser, et on va joindre un bagage pour nous mieux grandir dans mon Dieu. Nous disons merci, Seigneur. Amen. Amen. Nous lisons ensemble dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6, qui dit que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui croient en lui. Dans le Hébreux chapitre 11. Verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et ce Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On a parlé de la foi et la foi chrétienne. La foi en Dieu. La foi de la parole de Dieu, la foi dans les Écritures saintes, la foi en Jésus. C'est de ça qu'on parle ma terre. Amen. Parce que vous connaissez, dans le monde là, en pile monde croit dans en pile bagaille. L'homme croit dans différentes choses. Et l'homme croit ça, on voulait croire. Mais on pas croit dans sa parole, mon Dieu. Il n'y a pas croit dans l'évangile. Ok? Maintenant, on parle de la foi. Non sens pour nous qu'à éliminer une série de paroles qu'il y a parlé sur Facebook, il y a parlé sur WhatsApp, il y a parlé dans différents côtés, mais on voulait réduire l'évangile là. Côté on voulait faire l'évangile là tourner au bagage fil. Faire l'évangile là tourner au bagage sans valeur. Faire l'évangile là venir dans un niveau côté monde pas voulait rentrer dans l'évangile là encore parce que l'évangile là sans sens. L'évangile là pas de coût. Et nous voulons que tout le monde qui attendait nous comprenne que l'évangile a demeuré ferme, solide, éternel. Amen. L'évangile, la Bible a dit, l'évangile c'est la puissance de Dieu. Romains chapitre 1, verset 16, 17, il dit, je n'ai point honte de l'évangile, car l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il dit du juif premièrement, puis du grec. Parce que lui, dans l'évangile, est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Ça, c'est sa parole, mon Dieu dit, juste là, chrétien, la vivre par la foi. Apôtre Paul dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. C'est pas ouais, ouais. Nous pas présents les Jésus-Christ a mouru sur la croix. Nous pas présents les autres apôtres là. Nous pas présents les apôtres dans ce là. Mais nous croyons. Oui, Jésus-Christ est venu sur la terre. Oui, Jésus, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce Fils unique est monté sur la croix
OK, il mourit pour pardonner le péché de l'humanité. Amen. Il est enterré, enseveli. Après il vit mourir, enterré, il mettait dans le tombeau. Après 3 jours, parole mon Dieu dit, il ressuscité des morts. Amen. Après il ressuscité, il fait plusieurs nouvelles. Plusieurs disciples ouel. Il dit plus de 500 frères ouel. Après ça, monter dans le ciel devant tout le monde. Yes. Tout le monde ouel Jésus-Christ monter dans le ciel. Nous-mêmes, quand nous vivons l'époque par nous, nous croyons l'évangile ça. Amen. Nous croyons la parole ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 4, l'apôtre Paul dit, l'évangile que nous enseignons, nous c'est la donne que nous croyons. Il dit, qui l'évangile est? Christ est mort pour nos péchés, enseveli et ressuscité selon les Écritures. Amen. Ça, c'est Jésus-Christ qui est sur la terre. Et Jésus est mort pour pécher. Ça, c'est première base de la foi. Deuxième base de la foi, selon 1 Corinthiens chapitre 15, n'a parlé là. Deuxième base de la foi, Jésus-Christ enseveli. Le tombeau a été, le tombeau existait. Jésus-Christ est enterré. Il a été enterré Jésus-Christ après qu'il mourit sur la croix. Il était dans le tombeau. Troisième base de la foi, il paraît dans le tombeau. Il ressuscité sur le troisième jour. Amen. Ça, c'est troisième base de la foi. Yes. Quatrième base de la foi, il monte dans le ciel devant tout le monde. Disciples, où est-ce qu'il a monté dans le ciel là? Ils ont tellement gardé. Anges descendent et disent, monsieur, même Jésus-Christ a nous remonté. Nous pouvons tomber dans la cinquième base de la foi. La retourner, même genre. Et première phase où tu vas, c'est venir chercher l'église. Deuxième phase où tu vas, c'est venir juger le monde. Amen. Ça, c'est la foi qui guérit exactement dans l'évangile. Amen. Mais la foi qui trois branches là-dedans. Première branche de la foi, c'est ça nous révèle la foi salvatrice. Mm-hmm. La foi salvatrice, c'est la foi qui sauve. Amen. La foi salvatrice, c'est la foi dans l'évangile. C'est lui-même qui nous a parlé là. L'évangile là dit que, dans Romains chapitre 9, verset 10, je vais prier pour Romains chapitre 9. Romains chapitre 10, verset 9. Sorry. Romains chapitre 10, verset 9. Romains chapitre 10, verset 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Si tu crois. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Car c'est le croyant du cœur que la bouche parle. Amen. Attendez. Passe la foi, je t'ai fait ça, première branche de la foi. La foi salvatrice. La foi salvatrice, là, c'est qui ça la foi salvatrice là? La foi salvatrice, c'est mon premier bagage, qui c'est la connaissance de la parole de Dieu. Deuxième base, la foi salvatrice là, qui c'est la confiance de la parole de Dieu. Quoi nous s'entendons? Quoi nous sommes connaissons? Quoi nous sommes enseignés? Troisième branche de la foi salvatrice là, c'est obéissance. Amen. Mais trois bagages de la foi salvatrice, ça, premier bagage là, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Deuxième bagage, c'est la croyance de la parole de Dieu. Troisième bagage, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Premier bagage, il n'y a pas qu'à obéir, ça ne pas connaître. Et pas qu'à croire, ça ne pas connaître. Amen. Ça veut dire, bon Dieu voulait pour le monde qui a servi, il y a connu la parole. Yo connaît qui sa parole, mon Dieu m'a dit. C'est le seul moyen d'obéir à la parole de Dieu. C'est connaît qui sa parole, mon Dieu m'a dit. Amen. Si je ne connais pas sa parole, mon Dieu m'a dit, mais de l'ignorance, croyance moyenne, les futiles, croyance moyenne, les passagères, croyance moyenne, d'un coup, graines qui tombent dans zèbre. Jésus dit ça. Croyance moyenne, d'un coup, graines qui tombent sous roche, les pas fondées, parce que je ne connais pas la parole de Dieu. Ok, il y a un monde qui va étudier la parole de Dieu. Qui va entendre la parole de Dieu. Il y a un monde qui va lire la parole de Dieu. Il y a un monde qui va chercher à connaître la parole de Dieu. Ils sont chrétiens vils. Ils sont chrétiens faibles. Ils sont chrétiens moribonds. Ils sont chrétiens sans grâce. Ils sont chrétiens sans onction. Ils sont chrétiens sans
Amen. Ça très important. C'est première base là, c'est la connaissance. Yes. Je dis à nous jouer un paquet de chrétiens qui croient nous chercher miracle. Qui croient nous chercher les choses de la terre. Qui croient nous chercher les biens, la richesse de la terre. Au lieu de chercher la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 17. Il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé à savoir Jésus-Christ. Première base, ça, c'est qu'ils connaissent la vie éternelle. Ça, c'est Jésus qui dit. C'est pour apporter ta faire réflexion qui dit. C'est pas moi-même qui a pensé et puis me dit non. Ça, c'est Jésus, même l'évangile là qui dit ça. Amen. Il dit, la vie éternelle, c'est la connaissance. Yes. C'est que si je n'ai pas la connaissance de la parole de Dieu, je me trompe peut-être même de me sauver, même pas sauver vrai. Si je n'ai pas la connaissance de l'évangile, je me trompe peut-être même de me servir mon Dieu, même pas servir mon Dieu vrai. Parce que le service de Dieu, c'est la connaissance. Amen. C'est que l'ignorance est du diable, l'ignorance est démoniaque, l'ignorance sortie de Satan, l'ignorance qui est même dans l'esclavage. L'ignorance qui est même dans le noir. L'ignorance qui est même dans j'ai bouché, ma veille pour dire ça, parce que dans l'ignorance. Amen. C'est que chrétien besoin d'apprendre base la vie éternelle là, c'est la connaissance. Amen. La connaissance de la parole de Dieu. Deuxième base la vie éternelle là, c'est la croyance. C'est que moi crois dans l'évangile. Moi, je crois dans la parole de Dieu. Moi, je crois dans ça, mon Dieu, mon Dieu. Moi, je crois dans ça, mon Dieu, attend de moi. Ça, la Bible enseigne de mettre confiance pour là-dedans. Amen. Depuis, on dit que c'est la Bible, je prêche pour moi-même. Yes. Depuis, on dit que c'est la parole, mon Dieu, je prêche pour me soumettre. Amen. Depuis, on dit que c'est l'évangile, je prêche pour me rentrer en obéissance. Yes. Moi, pas où est belle face à la parole de Dieu. Moi, pas où est belle face à l'enseignement de l'évangile. Moi, pas où est belle, pas moucher sur un peu pour me battre. Je ne fais pas comme si je ne me comprends pas. Je ne fais pas comme si je ne me parlais. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. La croyance de la parole de Dieu. La croyance de la parole de Dieu est très grande, très large, très profonde, elle est pire. Tout a expliqué la croyance de la parole de Dieu. Amen. Je dis à un pile protestant qui plus décidé pour ignorant, au lieu pour comprendre l'évangile. Oui. Ils ont plus décidé pour obéir sa parole. Au lieu pour obéir sa parole, mon Dieu m'a dit. Parole, mon Dieu, Bible a dit sept fois éprouvé. Parce que monde qui est éprouvé là, c'est pas l'homme. Monde qui est éprouvé là, c'est l'éternel des hommes. Amen. Est-ce qu'on croit dans l'évangile? Est-ce qu'on croit dans sa parole, mon Dieu m'a dit? Et qui sont croyants? Mais qui niveau croyance oui? Parce que niveau connaissance, c'est niveau croyance. Dans l'église, vous comprenez ça? Et dans tout le monde attend de nous pour bien comprendre ça. Niveau croyance, niveau connaissance, c'est niveau croyance. Amen, oui. C'est que niveau connaît mon Dieu, c'est niveau croyance, mon Dieu. Oui, amen. Niveau connaît parole, mon Dieu, c'est niveau confiance, mon arrivé. Amen. Moi, qui a trompé tête, moi, je me crois dans mon Dieu, mais pourtant, depuis. La parole de Dieu, croyance ça n'est à combien pourcentage lié. Troisième branche, non, foi salvatrice là, c'est l'obéissance. Amen. L'obéissance. Samuel parlait ensemble avec Saül. Samuel dit Saül qui c'est une vraie explication de l'obéissance à la volonté de Dieu. Samuel dit Saül. L'éternel, pas. Est-ce que l'éternel prend plaisir dans le sacrifice ou à faire ou bien dans l'obéissance à la parole? Il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Que les sacrifices. L'observation à sa parole plus que les sacrifices des bêtes, des terrebêtes, etc. C'est que y a beaucoup qui prêtent pour l'obéir à la volonté de Dieu. Il fait plus qu'au monde qui a monté tête non à rien à moi. Amen. Le monde qui décide pour obéir à la volonté de Dieu, il fait plus que le monde qui dit qu'il défend tout bien pour le défendre cadeau. Il fait plus parce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset
premier, deux. Après le politique, même si tu as tout le temps pour mouler, même si tu as toute connaissance, si tu n'as pas de dans le cœur, je suis sur ces balles qui fait mouler. Amen. Et ça veut dire, l'amour, ça que la parlé, c'est l'amour de l'obéissance. Amen. C'est que je dis là, la foi qui s'est fait ma souveraineté, la première base, c'est le salut. Est-ce que vous sauvez? Et qui joue qu'on nous sauve? Trois façons de sortir là, c'est seul moyen qu'on nous sauve. Premièrement, la connaissance de la parole de Dieu. Deuxièmement, la confiance, la croyance face à l'évangile dans toute dimension évangélière, dans tout niveau évangélière, dans toute profondeur évangélière. Moi, crois. Amen. Moi, crois ça, mon Dieu, dire. Moi, accepter pour vrai ça, mon Dieu, par la même temps. Ça, y'a enseigné l'église, ça me croit. Ça me lit dans la Bible, ça me croit. Ça me donne des enseignements d'évangile, de formation dans le séminaire. Moi, crois. Et puis, troisième chose, mettez en application. Troisième phase là, moi, obéissant. Moi, soumet à la volonté de Dieu. Moi, obéis à la parole de Dieu. Obéissance, c'est une phase. Les deux phases qui, exactement, dans sa Bible, pour ne pas faire effet, les deux phases de obéissance directe à sa volonté de Dieu. Donc, on va expliquer le Seigneur, mais on va parler exactement de la foi. Jésus dit, est-ce qu'elle a fini? Est-ce qu'elle m'a besoin de la foi sous la tête toujours? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'elle m'a besoin de la foi sous la tête toujours? Pourquoi ça? Parce que je dis à Satan qu'il a pris l'argent dans le monde. Amen. Satan qui a pris l'argent dans le monde pour déformer la parole de Dieu. Satan qui a pris l'argent dans le monde pour faire pour nous courir sa parole, mon Dieu, par nous au coin. Et c'est ça qui fait la foi que nous parlons, c'est qui sont croyants. Qui sont croyants? Parce que la Bible a dit, dans Ephésiens 2, verset 8, il dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Que vous êtes sauvés. Par le moyen de la par le, foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas près de vous. C'est un don. C'est le don gratuit de Dieu. Amen. C'est par la foi que me sauver. Par la foi. C'est la foi que me donne la parole de Dieu qui va me sauver. Combien c'est qui sont couets? C'est qui sont couets? Parce que si vous couets sauver, on va sauver. Amen. Si vous couets mal, on couets sa parole, mon Dieu, parti, on va sauver. Faut couets exactement sa parole, mon Dieu. Amen. Si l'envie de l'évangile là, croyant sur vous, c'est Dieu dit Jésus qui a fait miracle, c'est dans son couets. Ou pour qu'on sauve. Si croyant sur le chita, comme le cas dit ça, le chita sur Jésus qui a la richesse, c'est richesse qu'on vient chercher dans l'église là, ou pour qu'on sauve. Ou qu'on joue une richesse ou à nous pas sauver. Amen. Est-ce que la foi là, liberté me comprendre que moi c'est un enfant de Dieu, moi c'est la lumière, je dois suivre sa parole. Jésus sort là. L'église c'est lumière au monde lié. L'église pas qu'à garder sous sa monde la fait. Chrétien pas qu'à copier sous sa paille à fait. Chrétien pas même j'ai avec paille. Ou pas même j'ai le monde. Ou pas qu'à suivre le monde. Ou pas qu'à marcher même j'ai le monde. Ou pas qu'à vivre même j'ai le monde. Amen. Ou pas qu'à habiller même j'ai le monde. Ou pas qu'à fonctionner même j'ai le monde. Les regardons, yo, où c'est top, mon Dieu, où c'est top, cet esprit. Seigneur, parlez. Parole, mon Dieu dit, apôtre Paul, dans le Corinthiens chapitre 3, la parole avec Père Cohen, il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en vous. Si cet esprit a demeuré dans moi, si j'ai la foi dans mon Dieu, je vais vivre même chez le monde, je vais copier sur le monde. Je ne peux pas fonctionner même si j'ai le monde. Je n'ai pas besoin de comporter de façon qui est différente à le monde. Regardez les gens, regardez les gens. Regardez les gens. Regardez les gens. Regardez les gens.
Je suis ça. Ni de l'obéissance à la parole de Dieu. Même si obéissance peut en faire semblant qu'il t'aime. Même si obéissance peut en faire paraître différent. Même si obéissance peut en faire, regardez, faire parler mal. Même si obéissance peut en faire ne pas comprendre moi. Même si obéissance peut en faire une qualité, une quantité de sang, mais pas qu'à. Mais moi, je suis un servant de Dieu. Amen. Moi, c'est un enfant de la lumière. Moi, c'est un monde qui est sauvé. Et un monde qui est sauvé, c'est un monde qui a obéi à la parole de Dieu. Amen. Même si le monde qui n'est pas content, non, a fait ça, l'oublé. Même si voisin a fait un monde. Même si voisinage là, il y a notre tripotaille, il y a une hypocrisie, il y a toutes sortes de vieilles actes. Mais moi-même, je suis l'enfant de Dieu. Amen. Moi, j'ai été obéi à la parole de Dieu. D'abord, bon Dieu, amen. Amen. Bon Dieu, bénis-nous. Amen. Et nous t'avons aimé, matin, pour nous mettre accent sur un point qui est nécessaire. Pendant qu'on a parlé de la foi, il dit la foi vient de la parole de Dieu. Il dit, dans Romains chapitre 5, verset 1er, apôtre Paul dit, nous sommes justifiés voilà. Par la foi. Nous sommes justifiés par la foi. La parole est là de la justice de Dieu par la foi. C'est quoi la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est une série de groupes de monde que mon Dieu dit péché, mon Zayo pardonné. Mon Zayo, moi, payé péché déjà. Dès que péché, on payé déjà. Mon Zayo, c'est mon qui sauvé. C'est mon qui pas condamné. C'est mon qui chappé en bas condamnation. Monde. Ça, c'est la justice de Dieu pour nous. Il y a des temps que mon qui chappé en bas condamnation. Monde. Que je pardonnerai, mon Dieu. Justification ça que m'a joué dans l'évangile là moi appliquer dans la vie moi mériter moi pas mériter pour moi même pour vivre là-dedans est-ce que comprendre ça dire m'a mériter pour bonne justification même pour vivre dans la justification m'a mériter grâce mon Dieu même pour rester vivre dans grâce là. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Amen, amen. On ne peut pas mériter salut que mon Dieu fait cadeau. Mais on doit vivre le salut. On doit montrer ce monde. On doit monter un jeune garçon dans la caille. On doit monter un co-worker. On doit montrer un collaborateur. On doit montrer un élève qui est dans la classe. On doit montrer un monde qui est dans l'environnement. Que vous-même, vous justifiez par Dieu. Amen. Que vous-même, ou son monde choisi. Que ou même, ou son père papa. Que ou même, ou son jeune garçon à pas. Amen. 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 Qui j'en parle pour toi, son jeune garçon à pas. Qui j'en parle pour toi, son jeune fille à pas. Si on connaît marié, et pour causer avec jeune fille qui va contrôler notre travail là. Comment on peut nous à pas? Sous qui deux ménages sur Facebook ou qui trois ménages sur Facebook. Comment vous ne vous trouvez pas si vous passez ménage dans vos chemises. Aujourd'hui, il y a une semaine qui a mis nos goulots, l'autre mois goulot. Comment vous ne vous trouvez pas si abîmez-vous, sans abîmez-vous, sans abîmez-vous parler. Comment vous ne vous trouvez pas si fonctionnement dans le travail, fonctionnement dans l'école, là, les semble parler. Si nous avons voyagé à regarder ou même à parler, on va nous sembler, ça veut dire nous prendre le même côté. Bon Dieu, bénis-nous l'église. Amen. Bon Dieu, bénis-nous, bon Dieu, bénis-nous, bon Dieu, bénis-nous, bon Dieu, bénis-nous. Amen. Nous souhaitons nous regarder, matin, nous voulons motiver l'église là. Nous voulons motiver les chrétiens, nous savons la foi en Dieu. La foi n'est pas une chose abstraite. Nous comprenons ça, Mathia. La foi n'est pas une chose, n'est pas une chose abstraite. La foi n'est pas une chose vile. La foi est concrète. La foi est pratique. La foi est applicable. Ça veut dire que les gens qui ont la foi, ils sont les gens qui sont pratiques. Bon Dieu, bénis-nous. Amen. Les gens qui ont la foi, ils sont les gens qui sont capables de prier.
appliquer ton bagaille. Moun qui la foi, son moun qui a pas. Moi, je suis comme ça, pas. Parce que moi, Abba, moi, français, c'est C. L'autre, son moun qui a pas. Ou son moun qui est différent de l'autre moun. L'autre, son moun qui a pas. Ou son moun qui est différent de le monde. Ou différent de voisinage. Ou différent de co-worker, à mon capteur avant de m'avoir la yo, moi, son monde qui diffère. Ou différent de famille. Ou différent de classe. Ou différent de somme. Ou différent de tout côté ou passé. Les cas de fonctionnement, monde qui ne pas convertir. Les cas de fonctionnement, yo, moi, son chrétien. Amen. Les regarder tendance monde qui va convertir, réflexion monde qui va comme mon Dieu, et les attendre réflexion par où, ou sont monde qui chrétien, ou sont monde qui a pas. Qui ça vous entendez dans le machine? Qui ça entendez d'arriver la caille dans la musique qu'on apprend? Qui ça entendez dans la carte télévision la caille? Qui ça loue dans le travail? Parce que ça le monde loue. C'est lui-même la copier. Amen, amen. Si nous faisons du portail avec le monde, si le monde t'attend à faire du portail, si nous faisons 100 000 païens, ou pas pour que moi, il pour mener à la conversion. Ou pas qu'à mener nos païens qui ont 100 000 qui ont fait pécher avec à la conversion. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que vous jeune fille de travail, pas converti. Et puis c'est vous-même qui cause avec elle. Ou pas qu'à mener dans la conversion. Parce que vous dit, sous tes chrétiens vrai, c'est pas avec elle qui a causé. Parce que quand vous connaissez vos parents liés, c'est prêcher, t'as prêché l'évangile pour venir accepter Jésus avant. Amen. Chrétien, pas qu'à mener avec vos parents. Si maintenant je vois ce monde qui n'a pas converti, ou pas converti tout même. Parce que chrétien, hein, lui attiré par les choses saintes. Dans 1 Pierre chapitre 2, parlez-vous. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Il dit comme sa divine puissance nous a donné tous ceux qui contribuent à la vie et à la paix. Que la gloire de celui qui nous a donné la gloire. Et les précieuses promesses. Afin que vous ne soyez pas de la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ça veut dire que les chrétiens sont monde parce que la foi qu'elle me donne, elle fait fuir la corruption. Elle fait fuir les moralités. Elle fait fuir les débauches sexuelles. Elle fait fuir l'hypocrisie. Elle fait fuir la cupidité. Elle fait fuir la calomnie. Elle fait fuir l'orgueil. La foi qu'elle me donne, les femmes fuient péché. Depuis que son monde qui n'est pas d'accord pour courir pour pécher, je ne parle pas de la foi de mon Dieu. C'est mon Dieu qui m'a été témoin. Parce que dans le monde, ça a côté de la vie là, et comme si péché a vu tout le monde normal. Et comme si péché a vu tout le monde lié, il y a un bagage simple, tout le monde a fait. Parce que pécheur n'a pas de problème pour prendre le micro pour prêcher. Péchador pas de problème pour prendre le micro pour évangéliser. Péchador pas de problème pour prendre le micro pour prêcher, pour dire tout le bagaille. Péchador pour exhorter les gens. Péchador pour réprimander les gens. Péchador fait géant cherche pour parler de l'évangile, même si tout le monde connaît ce péchador lié. Ça veut dire que péché avec tout le bagaille normal. Non, tant qu'on est péché avec tout le bagaille normal, c'est que c'est là pour l'église montrer qu'elle a la foi. Amen. C'est là que le servant de Dieu
C'est là en tant que serviteur de Dieu pour montrer qu'on se monde qui gagne la foi de Dieu. Parce qu'apôtre Pierre dit là, dans 2 Pierre chapitre 1er, verset 3 à verset 4, il dit la foi que je gagne, la fait fuir la corruption, la fait courir loin péché, la fait courir loin vieux bagaille qu'a fait dans le monde. Bon Dieu bénisse l'église, bon Dieu bénisse, bon Dieu bénisse. Bon Dieu bénisse, ces paroles sont trois fois pour. Amen. Et regardez, nous voulons tout le monde être capable. L'église son lieu saint. L'église, you know, principe satanique. You know, principe satanique. Il dit même si on a vu le péché, pas quitter personne condamné parce que tout le monde péché. Ça, c'est une déclaration démoniaque. Comme on a dit ça, c'est un principe satanique. Bible a demandé pour fuir le péché. Bible a demandé pour. Il dit que la parole de Dieu, dit Galates chapitre 5, verset 4. Il dit mon qu'a fait quand il était péché ça. Il n'y a pas de pied même dans la parole de Dieu. Vous lire pour. Verset 24. Galates chapitre 5. Verset 21 à 26. M'a pris verset 21 pour. Verset 21 dit, envie, boîte à fière, cupidité et gloutonnerie, qui s'excède de table. Et les choses semblables, et quand on parle d'idolâtrie, magie, inimitié, querelle, jalousie, etc., en quantité de péchés. Orgueil entre la donne, fornication entre la donne. Fornication, c'est jeune fille qui a couché à jeune garçon sans le marier. Adultère entre la donne, c'est le monde qui marié qui a couché avec l'autre monde qui n'est pas marié ou pas madame. Regardez, orgueil, mensonge, colère, jalousie, tripotage, rancune. Il dit que, regardez, verset 21, je vous dis d'avance. Regardez, apôtre Paul qui a dit ça. Je vous dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça veut dire, si ma fête, même si ma fête est même si ma fête route, servir colère, ma palais, binazim, pas sauver. Ou pas sauver, c'est pas parce qu'on tombe dans le péché, non. Ou pas sauver parce qu'on vit dans le péché. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'on vit dans le péché. La foi mandem pour courir pour pécher. Comment vous qui d'accord ça? La foi mandem pour garder la place de contre un péché à fond l'autre route. Nous sommes quatre. David dit trembler et ne péchez point. Trembler et ne péchez point. Les cahiers fit tout Abel. Mon Dieu dit cahier. Le péché se couche à ta porte et il porte ses regards sur vous. Mais toi, domine sur lui. De pour pas qu'à dominer sur le péché offert ou perdre l'enfer avec. Péché amène dans l'enfer. Hypocrisie amène dans l'enfer. Fornication amène dans l'enfer. Adultère amène dans l'enfer. Déménage amène dans l'enfer. Démarrer, démarrer amène dans l'enfer. Parler pour le mal amène dans l'enfer. Ou besoin, si vous avez la foi vraie, ou besoin pour changer. Ou besoin pour transformer. Ou besoin pour marcher en nouveauté de vie. De quoi dire verset 17. Si quelqu'un est de Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que vous êtes avant, pas vous ça encore. Vous êtes en garde, vous êtes connu hier, pas vous ça encore. Vous êtes connu sur le tapage, pas tapage encore. Je te connais sur hypocrite, pas hypocrite encore. Je te connais sur femme, je te remets femme, pas remets femme encore. Je te connais sur adultère, pas adultère encore. Je te connais sur débauche, pas débauche encore. Je te connais sur ta fierté,
Parce que dans l'église, nous croyons que c'est seul nous qui chrétiens qui sont sauvés.
sous des mormons, quel que soit la religion, là, grand pile chemin mené dans mon Dieu, chaque monde prend chemin au vrai. Nous dit ça, c'est menti. Parole, mon Dieu dit, dans Jacob, Jean chapitre 14, verset 3, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pas de folémie, pas de passer dans le trou, pas de passer dans la terre, pas de coup d'avion. Son seul chemin qui est chemin salé le comment Jésus-Christ de Nazareth. Lui parle de Allah, lui parle de Bouddha, lui parle de Krishna, quel que soit le nom de Gabalia, il y a tout ce qui est dans l'enfer au bras. Seul côté pour sauver, lui est l'église, c'est ambassadeur. Regardez, monde qui salue, lui est Jésus-Christ dans acte. Regardez, chapitre 4, regardez, et verset 12, apôtre Pierre, lui dit, Jésus-Christ est la pierre angulaire. Il ne salue en aucun autre nom. Il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Lui dit Jésus. Ça veut dire, si quoi que nous avons sauvé à travers une autre religion, nous avons sauvé à travers notre chemin, nous allons en enfer. Seul chemin la vie avec les Jésus. Seul côté qui a gagné la vie éternelle, il est les Jésus. Seul monde qui a mené dans le ciel, il est les Jésus. Je dis à vous éliminer de Jésus-Christ dans le monde. Vous voulez éliminer le principe Jésus-Christ dans le monde. Et ça fait tout le monde, c'est le Dieu à parler. Ou il veut quelque chose à côté de lui, ou il veut dans ma quête, ou il veut dans l'administration de l'État. Il n'y a pas de problème pour être Dieu. Il n'y a pas de problème pour être l'éternel. Il n'y a pas de problème pour dire Jéhovah. Il n'y a pas de problème pour dire je crois en Dieu. Oh, c'est un Dieu éternel. Mais il y a des problèmes de pouvoir dire Jésus. Parce qu'il n'y a pas de croix Jésus. Jésus-Christ. Les regardez Jésus. Il y a la croix. Les regardez Jésus. Il y a la honte. Les regardez Jésus. Il y a la mort. Les regardez Jésus. Il y a la souffrance. Les regardez Jésus. Il y a le chemin serré. Il y a la honte. Regardez, il dit, la route qui mène au ciel, son route qui serrée, son route qui fermée, il est pique dans la main. Mais où est Jésus? C'est où ça, ouais. Mais pourtant, il n'a pas fait pour ça. L'homme voulait prendre une route large là. Il voulait prendre une route grande. Parce qu'il n'y a pas de problème dans une grande pour être d'accord avec l'existence de Dieu. Parce qu'il a dit, Dieu est une substance. Dieu est une forme de la nature. Nous n'avons pas de problème, Dieu existe. Mais nous n'avons pas d'accord avec Jésus. Parce que lors du Jésus, nous avons la rédemption. Lors du Jésus, nous avons l'homme condamné. Seul moyen pour l'homme sauver. Lui est le Jésus. C'est ça fait de rejeter Jésus. Je dis à mon Dieu placer l'église dans le monde pour affirmer l'évangile. Pour affirmer le nom de Jésus. C'est pour répéter le nom de Jésus de tous côtés. C'est pour regarder, c'est pour persister sur ça. C'est pour faire connaître, pas aucun moyen pour jouer mon Dieu sans Jésus. Pas qu'aucun contact, communion, communication avec mon Dieu sans Jésus. Mon qui veut parler à mon Dieu, puis quitter Jésus de côté, non, non, faut aller. Mon qui met dans l'esprit, qu'a des contact avec le grand créateur, ou pas besoin de Jésus, non, non, faut aller. Parce que c'est le seul chemin qui mène au ciel là. Seul chemin qui mène vers Dieu, il est Jésus. C'est que l'église, frère Axelio, chrétien qui a vécu dans l'époque ça, chrétien qui a vécu dans le moment ça, chrétien qui a vécu, gardez nos circonstances tragiques, le monde a vécu là. Le monde pas de gens connaît si on vit, c'est qu'à bloquer le monde. Le monde pas de gens maintenant tête, il y a une seule maladie qui a bloqué le monde. Le monde bloqué par une seule maladie, par un seul virus, le monde bloqué. Et nous pas besoin de tout ça qui arrive plus tard. Ça nous met à ces trois quêtes-là. Chat et la mer. À parole de Dieu, c'est que tu as averti. À bout de pied, à bout de Jean. Daniel, le prophète Daniel. Le prophète Zacharie, le prophète Esaïe, le prophète Ézéchiel, apôtre Paul, apôtre Pierre, apôtre Jean, apocalypse, lui a fait dit ça qui est pour passer dans le monde là.
Il dit le monde est pour bouleverser. Et ça, Jésus dit, dans Matthieu 24, l'homme est le monde bouleversé. Moun qui est en notre, moun qui est dehors, pas en train de taille. Moun qui est sous des bois, pas descendre la taille là. Parce que le monde est fini, là, fini. Le monde s'est allé, bravé. Figure le monde a passé. Jean, où le monde a fonctionné là, c'est vers la fin, le monde a avancé. C'est vrai pour l'école, c'est vrai pour l'université, c'est vrai pour le travail, c'est vrai pour faire toute action que vous faites, c'est vrai pour étudier, c'est vrai pour aller dans la classe là, c'est vrai pour faire travail, mon Dieu, c'est vrai pour aller payer pilio, mais le monde finit. Et sa femme de Pierre, lui exhorte nous, lui dit nous sommes des passagers et voyagers sur la terre. Il dit pas vivre une chabon avec mon la tête. Je dis à nous temps, côté pour l'église, prenez décision pour le servir mon Dieu vrai. Si ce pomme parle mon mal, si ce pomme, regardez, à faire le monde parler mon mal, à faire le monde parler une convertie, à faire parler parler une église, trois bagailles sales à faire dans l'église, trois bagailles sales, regardez, trois bagailles malfaites, trois malfaites, trois hypocrites, trois regardez, trois mounes, regardez, à faire parler l'évangile mal, en dans l'église, trois magouillères, regardez, en dans l'église, faire le monde bagaille une convertie, trois mounes, regardez, qui sont là, le monde dans l'église, trois mounes, qui vivent même déjà le monde, les regardez, vie mon nom, regardez, vie par exemple, regardez, vie où, avec différence. Les regards des filles, regardez, les qui nous disent quoi, les regards des filles, regardez mesdames qui nous disent quoi, les regards des filles, monsieur dans la rio, et puis regardez des filles, pas de différence, vous regardez, les sont pas contre l'église à cause de vous, vous faites parler de l'évangile mal, vous faites passer nos Jésus en papier, regardez, blasphémer l'évangile, l'île est pour suspendre, l'île est pour stop, l'île est regardez, pour réconcilier, waouh, l'île est pour réconcilier, waouh, pour commencer à zéro, pour dire Seigneur, regardez, moi j'ai 20 ans dans l'église, moi j'ai 30 ans dans l'église, je vais prendre un sérieux, je vais faire un, regardez, et mon si je n'ai pas été moi, je vais faire ouvrir, et son front me tenir, et son magouille me tenir, je dis à moi apprendre, regardez, temps arrivé, m'apprendre joie arrivé, m'apprendre Jésus est à la porte, et puis vous retournez, regardez, vous retournez, vous jouez nous, dans le sens qu'on a besoin non. Servir, non, je me suis servi là pour quitter péché, pour quitter ma gouillère, pour quitter femme monde, pour quitter garder hypocrisie, pour quitter trois femmes, pour quitter trois maris, pour quitter trois ménages, pour quitter garder vol à faire monde, pour quitter garder parler du mal, pour commencer de la droiture, pour commencer dans le service véritable. Amen. Et d'armer. L'église mettait accent sur ce monde ça fini. Sur ce monde ça pralé qui t'a permis de réconcilier les voix. Qui t'a dit, moi, mon nom pralé vrai, c'est temps pour chrétien vrai. C'est temps pour ça, oui, pour c'est vrai. C'est temps pour ça, garder le moyen pour c'est vrai. Pour ne pas confier en marchant, confier en cachette. Un protestant, un bidon, un païené. Je suis chrétien dans l'église là, je ne paye la caille, je ne paye le travail, je ne paye dans l'école, je ne paye dans la ria. Eh bien, c'est temps pour me chrétien dans la ria. Pour me chrétien la caille, pour me chrétien dans le travail, pour me chrétien dans l'école, pour me chrétien dans le voisinage, pour me chrétien les gens là, pour me chrétien les gens là. Nous croyons que l'évangile ça qui parlait sur la foi maintenant. Il va permettre l'église, dans quel que soit côté de position. Il va permettre chrétiens, dans quel que soit côté, pour retourner. Pour retourner. Pour dire, vous n'avez pas bon. Mais je dis, parole, mon Dieu, vous traînez. Vous êtes dans le mauvais chemin. Et vous devez avancer dans le champ, mon Dieu. Comment vous êtes prêt pour obéir à la parole de Dieu? Comment vous êtes prêts pour faire ça, mon Dieu demandé? Comment vous êtes prêts, qui est conscient de ta vie pour vous transformer? Qui est ta vie? Qui est ta vie? Est-ce que tu as vu la
Non, fille ou pas grand sérieux avec les. Les faux tests chrétiens, tes sous ou pas même à 3%. Les faux tests relation à mon Dieu sous ou pas encore même dans le niveau 2. Pendant que mon Dieu attend dans le niveau 10 pour venir chercher l'église. Et on peut dans le niveau 2 qui sont attendus. Qui sont faits toujours. Qui sont à chercher. Est-ce que c'est célébrité ou à chercher? Ou à chercher célébrité? Ou à chercher pour vous connaître? Ou à chercher pour vous parler de vous? Ou à chercher pour vous respect? Ou à chercher pour vous honorer? Pendant qu'on parle dans l'enfer. Il dit que c'est un homme de gagner, de posséder, d'acquérir le monde entier s'il perd son âme. Il dit que l'homme ira un homme en échange de son âme. Si tu soutiens ça, mais pas t'as sauvé, puis ton pas de chemin à l'école dans la vie, puis ton pas de chemin à travail dans la vie, puis ton pas de chemin qui caille dans la vie, puis ton pas de chemin qui machine dans la vie, puis ton pas de chemin qui business dans la vie, puis ton pas de chemin qui famille, puis ton pas de chemin qui famille, puis ton pas de chemin qui rate pour mettre sous moi, même sauvé. Amen. Parce que si vous ne pas sauvé, vous avez pour regretter la mort. C'est la route éternelle. Vous avez pour crier sang. Vous avez pour crier sang. L'on pas sauvé. Et ma petite l'église là, vous ne pas sauvé si vous ne pas obéir à la parole de Dieu. Vous ne pas sauvé si vous ne pas appliquer l'évangile. Vous ne pas sauvé si vie chrétienne ou pas en communion avec mon Dieu. Si la vie ou pas en communion à la parole de Dieu, pas sauvé. La vie ou nous est en communion à la parole de Dieu. La vie ou nous est semblée à Jésus. Vie ou nous est transformée chaque jour. Dans 2 Corinthiens chapitre 1er. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Verset 17, 18. Apôtre Paul dit. Nous sommes transformés chaque jour de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Est-ce que chaque jour de vie, ou pour dimensionner mon Dieu, ou bien on vit plus païen? Est-ce que chaque jour de vie, ou vit plus mentir, ou bien on vit plus chrétien? Est-ce que chaque jour de vie, ou vit plus prophète, ou bien on vit plus chrétien? Est-ce que chaque jour de vie, ou vit plus volé? Ou vit plus hypocrite, l'homme ou vit plus long, on l'a vit plus chrétien. Est-ce que chaque jour dans la vie, regardez, ou bien parler vous de mal? Est-ce que chaque jour dans la vie, cœur tellement plein la déversé, tellement que mes mouns la donne? Est-ce que chaque jour dans la vie, vie prière, les plus long, vie libre, plus long, vie chercher mon Dieu, plus long? Sans quoi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de plaire à Dieu. Ou t'as trompé tête ou jonglé? Ou t'as dit tête ou sauvé, même sous condom par sous l'évangile là? Ou t'as dit tête ou prendre la vie éternelle, même si chez mon prince c'est chemin l'ange là? Jésus dit chemin mène dans le ciel là, son chemin serré, son chemin fermé. Son chemin petit, son route qui est piquant, son route qui est piège, son route l'apprend mon par aimé, son route l'apprend mon par Roma, son route l'apprend famille abandonné, son route l'apprend zambie abandonné, son route l'apprend vous semblez mon tête ou pas droit, son route l'apprend vous semblez mon qui fou, son route l'apprend vous semblez mon qui extrait dans votre âme, vous semblez mon gardez mon pas connaît, mon pas qu'à comprendre nous, parce que vous ça, son route. Regardez, son route piquante, pour qui ça? C'était tout est droit, c'est pas tout ça d'apprendre. C'était tout est droit, pour jouer, ou d'apprendre des femmes, ou d'apprendre des maris. C'était tout est droit, ou d'apprendre de tomber dans le volet. C'était tout est droit, ou d'apprendre de tomber dans le menti. C'était tout est droit, ou d'apprendre ma gouille. Tout le monde a battu pour sortir, tout le monde a dégagé pour sortir. Ou même où est ton seul côté, ou t'as supposé sortir déjà, ou t'as supposé accepter. Regardez,
fier de la loi, mais pourtant, oui, moi, prends, sans vous tête pas droite, et c'est la donne ma prêté. Amen. Bon Dieu, bénis-vous l'église. Amen. Combien de monde qui voulait prendre route ça? Amen. Combien de monde qui accepte de prendre route quand vous avez dit tête ou pas droite là? Quand vous avez dit égaré là? Quand vous avez dit pas de nom là? Quand vous avez dit pas de bon sens sous vous? Tout le monde a dégagé, tout le monde a démêlé, dégagé par péché, pour qu'ils soient concombés là ou même. Chrétiens connaissent mon Dieu qui a levé. Comme on dit quoi ça? Chrétiens connaissent mon Dieu, mon jour pour lui. Mon Dieu, mon jour pour lui. Jour d'après faire des cailles là, bon jour la passé. Jour la parole mal là, bon jour la passé. Jour, regardez, pour mon tap gardon soit par le flan, pour mon tap gardon au bon là, jour ça qui pour le pas. Passé. Bon Dieu bénis-nous. Amen. Pour nous finir, n'a pas la foi dans la souffrance, là, pour nous peut-être une minute ou deux minutes, là, la foi dans la souffrance. Je dis à protestants, l'église pas d'accord pour souffrir. Ils n'ont pas accepté la souffrance. Pendant qu'il y a apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1er verset, dans 1 Pierre chapitre 3, dans 2 Pierre chapitre 1er, chapitre 2, apôtre Pierre, il parlait, il dit, regardez, pour le nom de Jésus-Christ, moi je dois accepter souffrir. Moi je suis d'accord souffrance. Jeune fille, je suis d'accord souffrance. Ou je suis d'accord pour choisir pour pas comme dans le poche. Ou je suis d'accord pour choisir pour pas payer l'école. Ou je suis d'accord pour choisir pour pas faire manger la caille. Ou je suis d'accord pour choisir, regardez, mais regardez, pour payer car arriver, faire car arriver, beaucoup de jeunes comme là. Je ne vais pas coucher à l'honneur pour me joindre. Jeune garçon, je ne vais pas le faire pour me joindre. Ou pas faire la guerre dans ma gouille. Ou pas faire prendre drogue pour me joindre comme là. Parce que mon qui est là, il dit que c'est pour accepter souffrir. Je dis à ne pas accepter souffrir. Nous tombons dans toute vieille bagaille ça. Nous allons faire compromis avec tout le monde. Des jeunes garçons qui tombent dans la pédérasse. Des jeunes filles qui tombent dans femme à femme. Pour qui ça? Parce qu'ils n'ont pas d'accord pour souffrir. Des gens qui travaillent qui sont obligés de faire ma couille dans le travail pour rentrer plus comme. Parce qu'ils n'ont pas d'accord pour souffrir. Des jeunes filles d'accord pour chabat. Mène-même dans la vie éternelle. La souffrance selon Dieu mène-même dans l'honneur. La souffrance selon Dieu mène-même. Gardez dans la dent. Gardez les mène-même. De la ressemblance de Dieu. Amen. Les n'a pas de souffrance. Nous ne parlons pas de la misère. La misère, c'est le diable. Des souffrances, c'est le diable qui va aller. Des misères, c'est le diable qui va aller. Mais pourtant, l'évangile a des souffrances tout. L'évangile a des douleurs tout. Amen. L'évangile a des têtes chargées tout. L'évangile, des gens ne comprennent pas tout. L'évangile, des femmes mourent tout. L'évangile des envies ont abandonné au tout. L'évangile qui ont senti tout seul. L'évangile qui ont senti ou pas comme ça pour faire. L'évangile qui est côté la donne, ou de la croiser, ou de la serrer, ou de la marrer dans le même, ou pas comme qui côté pour passer. L'évangile qui est ça la donne. Faut chrétien accepter souffrir. Amen. Accepter souffrir, c'est comme s'il était douce. Il n'est pas Dieu longtemps. Bientôt. La suspendre. Nous pensons que nous avons fait trop de problèmes, ouais. Nous avons pris trop de temps. Et nous avons dit 10 000 bagages encore, parce que nous avons plein de bagages, nous avons dit de même sujet la foi. Ça. Nous ne pas parler de la foi de la justification, nous ne pas parler de la foi de la sanctification, nous ne pas parler de la foi de la douleur, nous ne pas parler de la foi selon la croix, nous ne pas parler de la foi, comme des gars de la pureté de cœur, nous ne pas parler de la foi de la marche par l'esprit, qu'on paquet de bagages nous pas dire. Que bon Dieu mais nous, bon Dieu a permis de nous parler en l'autre Dieu. Pour tout le monde qui a entendu là, sur Facebook, nous avons un channel YouTube. Côté nous avons pile formation que nous faisons là-dedans. Nous avons YouTube. Nous avons pile formation que nous faisons là-dedans. Allez, marquez Noé Elmi. N-O-E-L-M-I-E-L-M-I. Et puis, on va entrer là-dedans. On va vivre un paquet de formations sur différents.
différents sujets dans la parole de Dieu que nous mettons. Et chaque jour, chaque semaine, nous mettons une vidéo différente qui t'a permis, chrétien, de gagner maturité. Parce que temps fini, pendant que vous venez à l'église, vous avez besoin plus de renforcement. Pendant que vous venez à l'assemblée pour entendre des messages, vous avez besoin plus de renforcement. Pendant que vous venez à l'étude biblique, vous avez besoin plus de compréhension. Alors, là, amis, abonnez et puis like. Partagez-la avec tous les amis, toutes les femmes pour plus comprendre la parole de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous. C'est ça que nous avons pour matin. Et nous souhaitons pendant le reste de l'année, bon Dieu va permettre de nous parler plus avant sur différents sujets, sur différents longs bagages qui sont très essentiels à la vie chrétienne. Bon Dieu bénisse nous. Amen. Vous mettez ensemble avec les dirigeants. Et bon Dieu bénisse nous, l'église. Amen. Amen. Et monsieur, on a prié avant dirigeant parce que Seigneur nous tout merci parce qu'on fait nos grâces. Mais nous, c'est le peuple ça qui t'attend nous, le peuple ça qui t'attend des paroles. Seigneur, ce n'est pas parole par ta part. Ce n'est pas moi-même dans l'envie de parler, dans l'envie de raconter, dans l'envie de dire, et puis m'a parlé. Non. C'est parole que nous t'avons parlé. C'est vous-même qui voulez parler ensemble avec le peuple et vous utilisez pour parler avec le peuple. Moi, son vaisseau, moi, son tuyau. Seigneur, vous décidez de passer dans moi, même si vous passez dans plusieurs mondes. Ou pas mon seul outil, ou pas mon seul récipient, ou pas mon Dieu qui est mon seul récipient, mon seul outil, son seul monde gagné, c'est celui même s'il parle à l'autre, ou pas mon Dieu ça. Ou grand pile ressources ou même, ou grand pile ressources, ou grand pile outils, ou grand pile matériel, ou grand pile moyen, mais ou l'oublier parler ou pas. Seigneur, l'on utilise nous son faveur, son grâce qu'on fait nous. L'on utilise nous, Seigneur. Regardez, nous dit, nous sommes des serviteurs inutiles. Seigneur, nous avons fait ce que vous nous avez demandé. Seigneur, nous fait son mandé, nous fait. Mais nous, ce sont des serviteurs inutiles. Ou t'as cherché nous dans le monde, ou t'as cherché nous parmi le monde là, ou mettez nous dans l'évangile. Et Seigneur, mettez nous comme porte-parole, ou mettez nous, Seigneur, comme monde pour qui raconter les oracles de Dieu. Oui, Seigneur. Nous faisons erreur, même Jacques tout le monde. Nous prenons saut, même Jacques tout le monde. Parce que nous ce sont que des humains. Nous ne sommes pas des parfaits. Nous ne sommes pas des purs. Mais Seigneur, nous sommes des serviteurs de l'Éternel. Seigneur, c'est où nous avons servi. Nous ne regardons que côté. Nous ne virer les yeux, nous gardons que côté. Dieu nous a fixés vers Jésus-Christ. Depuis longtemps, nous, depuis Seigneur 1993. Dieu nous fixe sur vous. Nous ne pas détourner à gauche ni à droite. Oui, nous faisons erreur. Oui, nous glisser. Oui, nous prenons saut. Mais c'est au Québec, nous. C'est le diable qui a fini avec nous. Il a attaqué nous sur différents domaines. Il a attaqué nous dans différentes phases. Il a utilisé le monde. Il a utilisé les matériaux. Il a utilisé les outils. Il a venu directement pour t'équiper nous. Pour garder, faire nous culbuter la guerre. Nous ne pouvons pas camper. Mais mon cap fait nous en bas jambes dormir, mon cap fait nous en jambes jambes fermées, mon cap garder nous en bas jambes tabicha, et ça fait Seigneur Dieu de gloire. Pendant Satan a frappé, pendant le monde a frappé, mais nous-mêmes Seigneur, nous qu'aimer nous ferme, et l'Église a demeuré ferme, l'Église a prêté ferme, l'Église a prêté solide. Seigneur, nous de chaque monde, cap qui t'attend de l'Évangile là, quel que soit côté où t'attend de quel que soit Seigneur côté où chita, et ça nous travaille. Dis ça, Seigneur, Dieu de gloire. Regardez, qui l'a taillé. Dis ça, Seigneur, qui dans la rue, ça qui dans la machine, qui t'a tendé parole ça, qui t'a tendé l'évangile ça. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, regardez, qu'on avertit, qu'on avertit, qu'on révolte dans vous, qu'on révolte l'esprit, qu'on révolte le cœur. Regardez, Seigneur, pas mal au repos, pas qu'il y ait au repos tout autant, il y a de la volonté de Dieu. Pas qu'il y ait aucun repos dans le péché, pas qu'il y ait aucun repos dans l'hypocrisie, pas qu'il y ait aucun repos dans le vol à faire monde, pas qu'il y ait aucun repos dans la fornication, pas qu'il y ait aucun repos dans l'adultère. Quel esprit nous bouleverse, quel cœur nous bouleverse, bouleversé selon Dieu pour l'obéissance, si bouleversé selon Dieu pour l'application de sa parole. Seigneur, Satan voulait faire nous gagner repos dans l'hypocrisie. Satan voulait faire nous gagner repos dans le mensonge. Satan voulait faire nous gagner repos dans vieux bagages sales. Satan voulait faire nous gagner repos dans magouille. Satan voulait faire nous gagner repos dans bluff. Satan voulait faire nous gagner repos dans orgueil, dans fanfaron, dans calomniateur, dans cupidité. Satan voulait faire nous gagner repos, regardez, avec une vie chrétienne faible. Satan voulait faire nous gagner repos dans manque de prière. Satan voulait faire nous gagner repos dans pas jeûner. Satan
avec Dieu pendant la communion fraternelle. Il veut faire nous gagner un repos dans la limoune. Il veut faire nous gagner un repos dans le Québec Soukè. Il veut faire nous gagner un repos dans le mépris. Il veut faire nous gagner un repos, Seigneur Dieu de gloire. Gardez dans la débauche. Il veut faire nous gagner un repos dans la prostitution. Il veut faire nous gagner un repos dans le déménage. Il veut faire nous gagner un repos, Seigneur, dans des madames, dans des maris. Il veut faire nous gagner un repos, Seigneur Dieu de gloire. Pendant que Marie la caille, regardez, que Marie la caille. Et puis nous avons dit notre mari, notre travail. Nous avons madame la caille, nous avons madame notre travail. Il veut faire nous gagner un repos dans toute vie et bagaille sale. Il veut faire nous gagner un repos dans la saleté. Mais Seigneur, regardez, mettons en révolte. Révoltez l'esprit nous. Révoltez l'homme nous. Seigneur, regardez, et puis pour nous chercher présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que vous bénissez. Merci. Amen. Oh, Dieu.